avoir de la vie associative, la communauté, des gens très sympathiques. Ça serait plutôt le centre historique minier, hein, très, très réputé. Hein. Le bois de Leuharde, des châtaignes. Au centre historique minier de Leuharde. L'amitié qu'il y a entre les gens. Un petit village bon, qui s'agrandit. Bienvenue à Leuharde, commune du Douaisis, située dans le triangle Douai-Cambrai-Valenciennes. Leuharde, une commune de 2700 habitants environ. Leuharde, une ville connue pour son passé minier et reconnue grâce au centre historique minier. Une ville riche de son histoire, ou plutôt de ses histoires de vie. Leuharde est une ville magnifique. Je l'ai connue en 1988, je suis tourquenois d'origine, et comme diraient les gens d'ici, je suis une pièce rapportée. Voilà. Et donc, je ne suis pas prêt de quitter cette belle ville qui est vachement riche, qui est extraordinaire. En même temps, Leuharde a une signification qui témoigne de sa solidarité, de sa fraternité. Leuharde vient du mot Warder, Warder du mot Picard, qui veut dire gardien. Nous sommes les héritiers de ce patrimoine, de ce passé, à nous de le faire vivre, à nous de le transmettre à la nouvelle génération. Lorsqu'on arrive de Roucourt, on passe forcément par la place des Vésignons. C'est ici que démarre ce film sur l'histoire de Leuharde, sur les anciens commerces de la place et tous ceux qui ont fait la réputation de la commune. Nous sommes ici devant ce que fut le café Salvino. C'est ici que sur cette place que commence l'histoire de notre village. Nous espérons qu'avec l'embellissement, de nombreux témoignages archéologiques nous parviendront. À l'origine, à Leuharde, il y avait deux villages, l'Alleu de Vésignon et Warde, qui deviendra Leuharde. Ce dernier village engloba les deux, car Warde était un lieu stratégique, un lieu où on pouvait garder, surveiller la frontière. Nous avons un texte de 1089 qui nous dit que la place de Vésignon a été donnée à l'abbaye de Marchienne. Il s'agit d'une donation de Thierry de Vésignon, Theodoricus de Vésidium. Dans ce texte, on y apprend qu'il y avait deux camberums, c'est-à-dire deux brasseries. Il s'agit sans doute là des deux premiers commerces répertoriés sur notre commune. On dit aussi que c'était une très bonne bière, sans doute une goudaleux, qui deviendra au XIVe siècle la goudale. Plus près de nous, après la guerre, deux commerces faisaient front. Il s'agit de la COP, une émanation des mines d'Aniche, aujourd'hui transformée en commerce alimentaire, que l'on voit derrière moi, et la CCPM, une émanation du Parti communiste et de la CGT. Profitant de l'ouverture des marchés d'intérêts nationaux à l'homme, dans les années 70, M. Manaers créa le commerce chez France, rue de l'Égalité. René, là, c'était l'ancienne mairie de Leuharde. Exact, hein? Oui, c'était le... Mais enfin, tu vois, la façade a bien été refaite, ouais. Mais c'était une vieille mairie, un vieux ouais. bâtiment. Ouais, ouais. Et regarde, c'est encore marqué liberté, égalité, fraternité. Ah, oui. Et donc, en face, c'était là où tu as travaillé voilà. une bonne partie de ta vie. C'était plutôt mon épouse. En 1961, elle a succédé à Désiré Jésus. Enfin, d'accord. C'est assez ancien, ça. Ouais, ouais, et ouais. lui-même faisait suite à Ignace Lajovic. D'accord. La CCPM okay. était ici. D'accord. La façade a bien été refaite, bien oui, sûr. Oui, oui, c'est oui. l'une des plus anciennes maisons de Leuharde. Oui, à ça. Côté du domaine de Paul Dervaux, ouais, là, ouais. où il y avait son château. Alors là, on avait une grande banderole. D'accord. Coopérative centrale du pays minier. D'accord, c'était CCPM, c'était donc un mouvement créé pour les mines. Au départ, oui, parce qu'au départ, il fallait relever le pays, tu te souviens de cette histoire-là. Oui. Après la guerre, pour produire du charbon, on créait des conditions particulières d'accord. pour les mineurs. D'accord. Et le mouvement coopératif faisait que, c'est la CGT qui était à l'origine de ça, ils installaient une alimentation pour les mineurs, d'accord. avec des marchandises, il n'y avait pas de tout. Mais enfin, les gens pouvaient se... C'était ouvert à d'autres personnes quand même Non, non, au début, c'était les mineurs qui... les familles de mineurs qui venaient s'alimenter d'accord. là, avec des prix vraiment très intéressants pour eux. Cette alimentation sur les carreaux des mines, s'est déplacé et ils ont créé des magasins d'alimentation d'accord. dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y avait d'accord. environ 360 magasins ah, quand même. CCPM, oui, disséminés dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'était un peu le lieu convivial du village. Hein. Oui. D'ailleurs, on a rencontré Lucie Ménère, elle disait qu'elle venait là pour... Quand on voit maintenant qu'il n'y a plus que les supermarchés qui tournent, il n'y a plus de petits magasins où les gens venaient, oui. venaient s'installer
acheter. On les voyait tous les jours. Le principe de la vente, c'était qu'il y avait des actionnaires à la CCPM. Mais contrairement à ce que l'on peut voir maintenant, oui, les actionnaires, c'était les clients. Ah d'accord. C'était les clients. Au départ... C'était l'autogestion, voilà, en quelque sorte. Je me souviens, avec mes parents, j'étais petit, on allait sur le carreau de mine, tout à fait au départ. Oui. Et je me souviens que ma mère avait une action à 5 francs à l'époque. Ah, d'accord. Qui a été révalorisée par la suite, parce que ça a été ouvert au grand public. D'accord, on oui, pouvait tout pas à fait continuer à vivre de cette matière-là. L'action est passée à 30 francs. Oui. Ça permettait aux gens de bénéficier de beaucoup de choses. Oui, ils oui avaient une remise de 4% sur la vente. D'accord. Tous les mois, figure-toi que pour 30 francs d'achat, oui, je parle en francs à l'instant-là, c'était des anciens francs, on leur donnait une serviette de toilette, on donnait des torchons vaisselle, on donnait ah d'accord, il n'y avait pas cadeaux uniquement l'alimentation, il y avait aussi le côté mercerie, oui. Ah, oui, oui, oui. C'était un peu... Oui, parce le... que, si tu veux, ici à Le Ward, quand on regarde bien, il y avait la CCPM, il y avait la COP, oui, magasin coopératif, puis avec quelques magasins qui drainaient toute la population. D'accord. Et tout le monde allait partout. Bien sûr, bien on sûr. On ne quittait pas Le Ward. C'est le magasin Monaers, mais on disait chez France. La dame s'appelait France. Et on disait toujours France. Le bâtiment n'a pas tellement changé. Ouais, sauf qu'ils ont changé les fenêtres. Avant, ce n'était pas des fenêtres en plastique, c'était des fenêtres en bois, comme dans le temps. On rentrait par cette petite porte, là. Oui. Et le magasin sur la droite. Et de l'autre côté, c'était la réserve. Et il y avait... Une réserve, il lui en fallait, hein, parce qu'elle en avait. On achetait des paquets de café, on avait des points. Autant d'autant de points, on avait une tasse. Et ça, ça nous fait des petits souvenirs, quoi. Et son magasin, il était bien achalandé, parce qu'il y avait de tout. Elle vendait de la laque. Puis une cliente qui était avant moi, elle le prend, et puis elle essaye si ça va bien. Après, elle le remet. Alors elle dit, vous ne le prenez pas? Ben non, j'en pantalon, celui-là, il est commencé. Elle avait un de ses fromages Hollande, c'était du Cassan de chez Cassan. Elle était gênée quand elle le coupait parce que ça se démêlait, quoi. Et elle avait vraiment de tout. On avait besoin de quelque chose, un morceau de tissu ou bien... ça faisait notre bonheur, quoi. Puis elle aurait rêvé en boitant, elle était... Hein. Elle a eu du courage quand même, hein. Et ça ne fermait jamais, hein. Même le dimanche, ils étaient fermés, on tournait. Si vous avez le droit, vous tournez. Ma maison natale est à côté. Donc nous avons assisté à leur venue, disons. Hein, parce qu'avant, c'était des personnes très âgées qui ont vendu cette maison. Et puis Henri faisait les tournées. Et il faisait les marchés, il vendait les bonbons. Hein. Alors le mardi, quand il venait dans la rue Coubrin, c'était la fête. Parce qu'on avait du plaisir, Henri, il était très jovial, très, très rieur et tout, quoi. Quand ils sont arrivés, mes parents et cette maison, on avait un puits mitoyen. Et puis on a décidé, les deux familles ont décidé de le combler, quoi. Donc, les hommes s'y ont mis. On a fait un petit festin, tout ça. C'était toujours la bonne humeur. La bonne humeur avec eux. L'îlot central était le centre du commerce de Le Ward jusque dans les années 70. Il y avait une boulangerie en blanc près du Gallia, une boucherie où on peut voir encore les crocs de boucher sur l'étalage, et enfin un buraliste au milieu où on pouvait acheter le fameux journal pilote avec toutes ses BD que chaque écolier de l'époque se devait d'avoir dans son cartable. Autour de cette place, d'autres commerces animaient une véritable vie de village. Citons le café chez Barral, siège des Colombophiles, et derrière moi, Lucien Van Capellen avait créé un magasin d'électroménager. Enfin, derrière moi, le commerce chez Sbill, où on trouvait toutes sortes de choses. C'était une véritable caverne d'Ali Baba. Il y avait un pupitre transparent où on montait sur une estrade, et là séjournaient des bonbons magnifiques de toutes les couleurs. Eh bien, on va retourner chez Sbill. Sbill. Chez Sbill. Même pas chez Sbill, on disait Amosbill. 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 Mais normalement, il s'appelait Edmond Bernard. Oui, et il vivait là avec sa sœur Claire. Oui. Un véritable majordome, la Claire. Oui, oui, parce oui. Parce que nous, on venait faire des petites bêtises. Entre autres, on piquait des bonbons. Oui. Mais quand Claire était là comme un majordome, on remettait notre projet... Au lendemain. Tout à fait.
Par contre, quand on rentrait, il y avait une petite estrade, et on montait dessus, et on envoyait Sbille chercher des boutons, dans la réserve. Puis pendant ce temps-là, Margot, elle soulevait le pupitre, et moi, je remplissais les poches. Il était tourné d'une façon anarchique, ce pupitre. Au lieu d'être tourné vers nous, qui étions sur l'estrade, il était tourné du côté d'Edmond, évidemment. Alors, on était obligé de se contorsionner, mais on y arrivait. Ce serait maintenant, on aurait plus de difficultés avec nos raideurs. Oui. Quand on rentrait, ça faisait un comptoir comme ça, le comptoir des bonbons. Il y avait un espace, puis un autre comptoir, là, où c'était toute la mercerie. Toute la mercerie, oui. Ouais. Ça faisait une espèce de grand U. Ouais. Retourner. Ouais. On y achetait aussi des biscuits au pois. Maintenant, tout ce qu'on appelle pépito, biscuits au chocolat, c'était les biscolas qu'on trouvait chez Edmond. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on y trouvait encore? De tout pour dépanner dans une maison, que ce soit des produits d'entretien, des produits alimentaires, de la quincaillerie, la mercerie. Et puis, il y avait un bon accueil. Il y avait même aussi pour des cahiers, des stylos. Allait chercher des fournitures de l'école aussi, là, puisqu'il n'y en avait pas ailleurs. C'était le Auchan miniature, on y trouvait de tout. Ouais. Et puis, surtout, on faisait la conversation à Edmond. Qui nous considéraient comme des grandes personnes, c'est vrai, pas comme des enfants, mais même souvent, on avait toujours un accueil très souvent quand très on rentrait, il était souvent sur le seuil de la porte. Et Claire faisait son apparition de temps en temps, heureusement, parce que elle nous faisait peur. Ouais. Ce qu'on aimait chez Edmond, c'était les souris au caramel. Et si jamais caramel dur. Oui. Tellement dur que moi j'y ai laissé un plombage. Après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait des genres de petits bonbons piquants. Il y avait des rouleaux de réglisse. Des rouleaux de réglisse avec une petite perle dans le milieu. Au milieu, c'est vrai. Ouais. Des coquillages de toutes les couleurs. Alors là, c'était bourré de colorants. Et qu'on mangeait comme ça. Les moricots, c'est introuvable aussi maintenant, les moricots. Moricots, c'était un caramel mou, à la différence de la souris qui avait l'intérieur en caramel dur. Le moricot, c'était très tendre et c'était recouvert d'un chocolat au lait. Un délice, on n'en trouve plus. Les loisirs n'étaient pas en reste. Depuis le Front Populaire en 1936, le Ward avait son cinéma sur la place. Il fallait développer le progrès social par le cinéma. Une idée forte, la démocratie allait triompher. On s'y rendait en famille ou entre copains, entre copines, mais bientôt, la guerre commença. L'extérieur, c'était dans ce genre-là. L'entrée du cinéma, c'était là. Ouais, là, c'était une porte vitrée qu'il y avait là. Mmh. Une porte vitrée. Au début, il n'y avait qu'une petite porte. Ouais. Porte et après, ils ont agrandi. D'ailleurs, on doit voir au-dessus. On voit que c'était une petite porte. Ça devait être pour une histoire de sécurité. Et ils ont élargi et on rentrait par là. Bon, ils faisaient les séances le samedi. Le samedi soir, le dimanche après-midi, dimanche soir. Dans la semaine, je ne saurais plus vous dire. Je m'en souviens plus. Non, dans la semaine, peut-être le mardi. De temps en temps, le mardi soir, je crois qu'il faisait. Mais autrement, non, c'était vraiment une petite salle de village. Ça se travaillait bien, il y avait assez bien de monde. Parce qu'il n'y en avait pas aux alentours. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de tout ça. Moi, je me souviens que c'était une mamie là, qui vendait les bonbons. Je me souviens des grandes affiches qu'il y avait sur le mur, tout ça. On essayait d'en avoir. C'était la porte de secours, la première, celle de la salle en bas. Mais il n'y avait pas les pigeons. Et la salle, elle démarrait là, jusqu'au fond. Et là-bas, c'était une deuxième porte de secours. Il y avait des chaises de chaque côté. L'allée, elle était dans le milieu. C'était des chaises en métal, comme dans le temps qu'il faisait, avec des lattes de bois. Moi, j'allais avec une copine qui habitait là-bas, près de chez moi. On allait entre copines, nous. On n'avait pas le droit de sortir comme ça. Et c'était sévère en ce temps-là. On venait au cinéma Le Hard, moi, quand j'ai commencé à avoir 14-15 ans. Mais j'avais des copines plutôt du côté de Magny. Donc quand le cinéma de Magny qui a eu un accident qui était fermé, je les entraînais sur Le Hard. Sinon, mon cinéma, c'était blanc cul. Et beaucoup plus de filles là-bas qu'à Le Hard. Moi particulièrement, j'allais pas très souvent au cinéma parce qu'on n'était pas riches. Nous, on est des émigrés, on arrivait ici sans rien, il a fallu tout reconstruire. Donc, de temps en temps, on venait le dimanche après-midi, quelques copines, c'est tout. C'était pas.
Les garçons, ils ont la manie, alors comment voulez-vous? Il y a plus d'un an, ferma sur cette place le dernier commerce. Il s'agissait d'un coiffeur, en fait, une coiffeuse chez Lucette. Là, en tendant l'oreille, on y apprenait les dernières nouvelles du village. Aujourd'hui, près de cette place, il n'y reste qu'un commerce, le Galia. Le constat fin 2014 est que dans la ville existent divers commerces et services. Une boucherie, un petit magasin alimentaire, un café PMU, une restauration rapide, une coiffeuse, deux esthéticiennes, quatre médecins, un ophtalmologue, un cabinet paramédical avec kiné, un dentiste, une auto-école, une pharmacie et un bureau de poste. Nous venons de perdre ces derniers mois quelques commerces faute de repreneurs. À ce jour, les collectivités locales doivent s'adapter au contexte de transformation économique. Bien que cette mission ne fasse pas partie des compétences dévolues aux villes, elles tentent de répondre aux besoins de leur population. Elles doivent faire face à la mutation de commerce avec la présence de grandes surfaces, des hard discounts et d'Internet. Pour l'avenir, la grande majorité des élus de Leward ont orienté leur réflexion sur la sauvegarde du commerce dans le centre urbain. En effet, le commerce favorise l'aménagement des cités par l'éventuelle création de parkings. Outre sa fonction économique, elle est une composante essentielle de la vie sociale et de l'animation locale. Pour Leward, la priorité est de retrouver une activité snack-friterie, de collaborer pour l'installation d'un dépôt de pain, de travailler pour implanter un commerce de détail et d'autres cellules commerciales, de redynamiser le marché hebdomadaire, en prenant en compte s'il y a possibilité la réduction des circuits alimentaires pour répondre aux objectifs de développement durable. Je me suis installée ici à Leward, ça fait 40 ans. Après des études scientifiques à Lille, j'ai décidé de m'installer dans cette région minière où les gens ont le culte du travail bien fait et de la solidarité entre les différentes générations. C'est mon père qui est agriculteur à Herchin, qui était passionné des plantes et qui m'a appris à reconnaître et à apprécier les propriétés des différentes plantes. Et c'est cela qui m'a donné la passion de la botanique. Depuis 40 ans que je suis installée ici, j'ai donc connu les parents, les grands-parents, les petits-enfants. Donc il y a un lien qui se fait entre les différentes générations, soutenu aussi par l'équipe médicale qui nous entoure. Et c'est très important actuellement dans cette période de désertification médicale. J'ai toujours été soutenue par les différentes municipalités qui tenaient à cœur d'avoir une équipe médicale importante ici sur ce lieu de vie. Notre métier évolue. En plus de délivrer des médicaments, nous suivons maintenant des pathologies difficiles, comme par exemple les patients sous antivitamine K, c'est des anticoagulants, les patients diabétiques ou asthmatiques, ce qui renforce encore plus le lien avec les différents patients. Et donc, je veux créer dans cette officine un lieu de bien-être et de vie. Leward est une ville qui se transforme au fil des années. Ici, la place des Vésignans va connaître une magnifique transformation afin de lui donner le cachet qu'elle mérite. Le projet de la place des Vésignans est venu à l'initiative de la ville de Leward qui avait un manquement d'une place principale dans cette ville. On est sur un urbanisme de rue, il n'y avait pas de place principale forte. La volonté d'accompagner l'arrivée du bus tram sur le devant et de raccrocher la place sur cet axe structurant. Notre volonté était d'avoir un projet simple, polyvalent, où l'ensemble des activités pourraient se produire sur cette place, retrouver les activités qu'on pourrait trouver sur une place principale d'une ville, c'est-à-dire une braderie, un marché, un concert. Une des particularités de ce site était qu'on a une topographie très forte, on a des différences de niveau sur l'ensemble de la place. Au lieu de prendre ça comme une contrainte, nous avons pris ça comme un avantage puisque nous rattrapons ces différences de niveau avec des gradins qui permettront de pouvoir s'asseoir et de contempler un spectacle ou tout autre événement sur cette nouvelle place principale de Leward. Le principal sur cette place était de mettre en valeur aussi les façades. Il y a des façades
très intéressante, un patrimoine sauvegardé. Nous ne voulions pas polluer ces façades avec trop d'événements ou trop d'architecture. Donc nous avons voulu des revêtements sobres, en dur, qui permettent aussi à tous les Loardois de s'approprier cette place. Histoire de vie, c'est aussi un coup de projecteur sur le patrimoine de Loard. Dans ce film, nous avons choisi de valoriser le château et son parc, ainsi que le bois réputé pour ses châtaignes. Nous sommes ici à l'entrée du bois de Loard. Le bois de Loard, dont la réputation n'est plus à faire dans le Douaisis, on y vient d'un peu partout, que ce soit pour faire du sport, pour se promener, s'oxygéner, admirer les arbres. C'est un bois intéressant parce qu'il y a à la fois la main de l'homme qui se voit au travers des aménagements, au travers des allées bien tracées, bien droites. Mais dès qu'on sort de cette allée, on retrouve une nature sauvage avec des chemins sinueux, moins faciles peut-être pour la marche, mais beaucoup plus naturels. Le bois de Loard recèle bien des surprises, et en particulier cette tour qui est derrière moi, dont l'origine est assez confuse, dont la destination n'est pas très nette non plus. Mais la plupart des gens pensent qu'elle a simplement un rôle décoratif. En effet, on ne peut pas monter au sommet, donc si elle avait une fonction de guet, on pourrait y accéder, et ce n'est pas le cas. Alors, elle est dans l'alignement de l'allée principale que nous venons de parcourir, qui vient du château. Parce que, en fait, on ne peut pas, en parlant du bois, ne pas parler du château lui-même. Cette tour est l'un des éléments qui accompagnent le château, et on peut penser que les châtelains, au XVIIIe siècle, se promenaient facilement dans l'allée le dimanche et venaient à cheval ou en voiture ou à pied jusqu'à la tour. Ça devait être un lieu de promenade. Nous sommes ici devant les grilles du château de Loard parce que le château de Loard est devenu maintenant une propriété privée. Il a été transformé en logement, une douzaine de logements locatifs, ouverts à la location, je veux dire. Ce château, qui est derrière moi, fut donc bâti en 1765 par un personnage important qui s'appelait Jacques de Forêt de Cardeville. Et ce Jacques de Forêt de Cardeville s'est appelé ensuite de Forêt de Loard. Il a ajouté les deux mots de Loard à son titre. Ce monsieur Jacques de Forêt de Cardeville est arrivé à Douai avec le Parlement de Flandre, là, et son épouse, certainement, a été séduite par Loard, parce que très vite, il s'est mis à racheter des terres à Loard, et de proche en proche, il a acheté la seigneurie des Vésignons en totalité. Et au bout de quelques années, bien, l'idée leur est venue de faire bâtir un château dans lequel ils pourraient demeurer. C'est le château qui est là derrière. La famille de Forêt de Loard habitera le château jusqu'en 1922. À ce moment-là, le château sera revendu à un nommé M. Ruisbourg qui habitait Douai et qui était minotier à Douai. Minotier très riche, cela va de soi. Et ce monsieur habitera le château jusqu'en 1945, à la fin de la guerre. Et Monsieur Ruisbourg étant décédé, le château fut revendu, je ne sais pas pour combien, mais aux Houillères nationales qui venaient d'être créées. Les Houillères nationales occupent donc le château à partir de 1945. Un haut dirigeant va être logé dans le château. Les bâtiments de la ferme qui sont juste à côté vont être transformés en école des cadres. Cela va durer jusqu'en 1971, date où les Houillères étant en train de disparaître du Douaisis, le château sera cédé au syndicat intercommunal de la région Somain-Aniche, le CIRSA. Le CIRSA va donc occuper les bâtiments de la ferme qui étaient en bon état, mais le château étant déjà en triste état, va être abandonné. Et comme il fallait quand même trouver une solution, s'est présentée au bon moment, si j'ose dire, une société immobilière qui s'est proposée de reprendre le château pour
une somme minime et de le transformer en appartement. Moi, mes premiers souvenirs, je les ai eus quand je suis arrivée à Le Havre pour avoir un logement qui est derrière. Il y a un logement des jardiniers, des ouvriers qui travaillaient pour M. Risbourg à ce moment-là. Les houillères ont logé mon père. Ils nous ont proposé cette maison-là puisque les locataires anciens étaient partis. Donc, on logeait dans cette maison-là. Et la tour que vous voyez, c'était l'escalier du haut. C'était pour aller dans les chambres en haut, on avait une tour. C'était des souvenirs d'enfant. Je faisais dans le château ce que je voulais, puisque c'était des bonnes sœurs qui étaient venues quand Douai était bombardé. Donc, ils étaient logés là avec tous les anciens, les vieux de Douai qui n'avaient plus de logement. L'hospice de Douai était rasé. Et moi, j'étais là, la petite fille qui faisait tout avec les vieilles. J'avais le droit de tout. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez, là? Je jouais avec eux, je m'amusais dans les pièces, je courais. Je pouvais faire comme promener avec des grands-mères. Et ils me laissaient tout faire. En 1954, j'ai eu ce privilège d'être embauché par une entreprise pour justement, malheureusement, démolir tout le haut pour raser ces magnifiques fenêtres à la mansarde et tout. Et tout ça, on les a déposés à terre avec une grue parce que pour servir à quelqu'un d'autre. Et en fin de compte, on a refait une plateforme de béton. Et sur cette plateforme de béton, il a fallu faire des balustres, comme dans le temps. Et ces balustres ont été concassés dans la pierre de ces fameuses mansardes, hein, tout ça. On a tout concassé. Il y a encore des éléments qui sont de l'autre côté dans le parc. Ah, alors l'histoire du toit, oui. Alors, cette histoire-là, on n'ose pas trop en parler parce que ce monsieur, donc, je citerai le nom, mais a souhaité qu'il vienne en hélicoptère dessus. C'est pour ça qu'il a fait renforcer la terrasse. Mais est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Parce qu'en 1954, les hélicoptères ne couraient pas les rues, enfin, ou le ciel. C'est un petit peu le... Donc, on ne sait pas. Moi, non, non, c'est on sûr. Sait pas. Mais enfin, bref, ce gars-là, à la fin de la construction ou la déconstruction de ce château, il a préféré aller dans les pétroles d'Aquitaine. Bon, voilà. Ici, on est derrière le château. Alors, ce château a aussi un certain cachet. Le niveau du palier, c'est le haut du clocher. Là-bas. Voilà. Mais vous allez au bout là-bas. Maintenant, on ne peut plus y aller. Je m'appuie au mur, on voyait Saint-Pierre. Voilà, mais avec l'hôpital, tout ça, on ne voit plus rien. On ne voit plus, ouais. Ça. Ce niveau, c'est marrant. Et en dessous, là, c'était les cuisines. C'était les cuisines, là, oui. Ouais. Les bonnes sœurs. Mais enfin, c'est... Vous avez des souvenirs des bonnes sœurs? Elles étaient sympas. Ah oui, elles étaient encore nettes. Vous savez, pour cornette, faire ce qu'ils faisaient avec les vieux, il fallait qu'ils aient du moral. Hein. Parce que moi, je sais que je l'ai dit, mon père, on venait le réveiller à 3h du matin, là, par la fenêtre qui donne, que je vous ai dit, à côté de la tour. Puis la bonne sœur, elle criait, « Monsieur Bonnet, il nous en manque une, elle est sauvée. » Il fallait qu'il court dans le bois avec elle pour retrouver sa vieille partie. Voilà. Le parc de ce château n'avait pas du tout cette configuration, j'imagine, dans le passé, Denis. Alors, pas du tout, Jean-Marc. En fait, ici, on avait un parc à la française, comme le montre d'ailleurs le cadastre napoléonien de 1820. Et donc, qui se caractérisait par d'abord une grande symétrie au niveau du parc. Quelque chose de joli, quoi. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, à titre d'anecdote, le 29 juin 1818, les vainqueurs de Napoléon... Oui. Donc, on est après Waterloo. On est après Waterloo. Et donc, les vainqueurs de Napoléon ont fait donner ici un grand bal. C'était sous l'occupation danoise. Oui. Et donc, ce grand bal, la population leuardoise n'a pu y assister que de loin, étant donné que les soldats de l'armée du duc de Hesse gardaient l'ensemble du parc pour empêcher la population d'approcher. C'est curieux, ces deux pilastres en grès, là, en plein milieu du parc, surmontés en plus d'un chapiteau en grès. En fait, ça, c'est l'entrée du château. C'est l'entrée du château à l'origine. D'accord. Et donc, les gens qui arrivaient de Douai, pour la plupart, arrivaient par la place des Vésignons, passaient cette entrée et pénétraient donc vers le château avec... Côté ouest alors. Côté ouest, tout à fait. Et l'entrée se faisait par le salon. D'accord. Donc, je sais que le dernier comte, le comte d'Espel, est mort en 1915 au champ d'honneur. Oui. Et son père a vendu le domaine en 1922. Oui. Je crois que c'est un monsieur de Risbourg. Donc, monsieur de Risbourg et madame Nelly Dumont de Chassard ont pris le domaine à cette époque-là.
Hein. Oui, oui. Madame Durisbourg avait une passion pour les fleurs. Oui, tout à fait. Elle avait fait construire une serre. Mmh. Hein, et puis aussi un puits. D'accord. Hein, qui était là-bas derrière. Assez profond, je crois. Oui, assez profond, tout à fait. Tu nous parlais d'un puits très profond, mais ils allaient chercher donc l'eau à grande profondeur. Toi qui es géologue de formation, Denis, explique-nous un peu ce contexte. Mais en fait, l'eau se trouve en dessous d'une couche de sable et de grès d'Austricourt. Hein, nous sommes ici à Le Hard, dans ce qu'on appelle les monts Saint-Rémy, ou Saint-Remy, comme on dit, du côté de Reims. Oui. Et donc, ces petites collines se caractérisent donc au sommet par des dépôts quaternaires, donc des dernières glaciations, avec toujours au sommet donc, du sable, hein, et une fine couche d'argile ensuite, qui surmonte enfin donc, la craie. Hein, la craie tertiaire. La craie tertiaire, donc sémonienne. Donc on est là à la fin de l'époque des dinosaures. Tout à fait. Superbe baignoire taillée dans un bloc unique qui commence d'ailleurs à se fondre. Elle mériterait d'être protégée, Denis. Hein. Ah, tout à fait. Ça, c'est la baignoire des châtelaines de Le Hard. Oui. Car il faut savoir que le château s'est transmis par les femmes à partir du 19e siècle. D'accord. Et cette baignoire est taillée donc, dans la pierre bleue de Soigny, qui vient de Belgique. On a eu une veine formidable. Les Allemands ont voulu l'embarquer en Allemagne et le câble a cassé. La poulie a cassé et grâce à ça, nous l'avons ici. Bien sûr, dans le château, ils ont mis des nouvelles baignoires hein, pour les personnes âgées venant de Douai. Après la guerre, le parc passe au Weir National et HBNPC. Hein. Et là, Le parc s'est profondément dégradé parce que ça devient une aire de stockage du matériel du fond. D'accord. Et ça n'est qu'en 1998 que le premier projet d'arboretum apparaît. Et un peu plus tard, le président Jean-Jacques Cordelier, donc président du CIRSA à l'époque, qui deviendra cœur d'Ostrevent, va faire réhabiliter le parc et ensuite l'ouvrir au public. L'histoire et la vie de Le Hard évoluent constamment. L'urbanisme lehardois se métamorphose fréquemment. Ici même, l'ancienne avenue du Bois est devenue une magnifique allée du Bois. Quand la ville nous a confié ce projet il y a un peu plus d'un an, la ville avait déjà mené une étude cadre de vie dans les années 2000 qui consistait à requalifier l'avenue du Bois à l'identique. C'est-à-dire deux voies de circulation, un terre-plein central qui à l'époque était planté de peupliers d'Italie et deux trottoirs qui servaient plus de stationnement pour les voitures. Nous avons donc proposé à Monsieur le maire de repenser cet espace en donnant plus une priorité aux piétons et c'est l'espace sur lequel je marche actuellement. Dans cet espace, les problématiques étaient multiples. Créer le maximum de stationnement, tout en préservant les arbres existants, les platanes, les châtaigniers. Créer un espace de convivialité, juste à l'entrée du bois, qui permet d'accueillir les gens à l'entrée de la promenade. Et aussi, de préserver la tranquillité des riverains. C'est la création de ce mur de gabion qui permet de séparer les fonds de jardin des riverains avec l'espace public à l'entrée de ce bois. Une commune ne peut se construire sans ses enfants et c'est pour cela que nous avons décidé de retourner à l'école ou plutôt de repartir dans les écoles d'antan. Ici, devant l'ancienne école des filles, rue de l'Égalité ou encore rue Pasteur où se trouvait l'école des garçons. Je vais vous parler du contexte national de la création d'écoles publiques. À mon avis, il faut retenir trois dates principales. D'abord, la date du 28 juin 1933, où la Chambre a voté ce qu'on appelait la loi Guizot, qui oblige les communes de plus de 500 habitants à avoir une école primaire, et les communes de plus de 6000 habitants d'avoir une école primaire supérieure. Ensuite, autre date importante, le 16 juin 1881, qui établit la gratuité de l'école pour les enfants qui la fréquentent. Et dernière date encore aussi très importante, le 28 mars 1882, l'enseignement public est rendu obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans des deux sexes. Nous sommes rue Pasteur, où se trouvait cette première école primaire de garçons. Cette école qui est transformée aujourd'hui en logement. Et il reste à l'intérieur quelques vestiges du passé scolaire de ce bâtiment. Nous sommes maintenant devant l'école Salengro. Alors pourquoi cette école a-t-elle été bâtie?
puisqu'elle a remplacé les deux autres. Et bien parce que l'école qui se trouvait rue Pasteur s'est trouvée non conforme à l'époque à ce que devait être une école à l'intérieur, mais aussi parce que c'était une école qui était au bord de la Nationale et l'ambiance était très bruyante avec le passage de voitures, de chariots et de tramways. En plus, le tramway passait à 2 mètres de la sortie des écoles et cela était fort dangereux pour les élèves. Aussi, le conseil municipal dès 1933 a réfléchi à la construction d'une autre école et a entériné le projet avec son maire, M. Errant, en 1934. Et c'est en 1939 que les premiers élèves sont entrés dans cette école. Et l'école qui était en rue Pasteur est alors occupée par les troupes britanniques qui se trouvaient logées à cet endroit-là et qui ont remplacé les élèves. Pourquoi le nom de Salengro a-t-il été donné à cette école? Monsieur Salengro était maire de Lille et ministre de l'Intérieur. Il a lutté contre les ligues d'extrême droite et celles-ci lui ont bien rendu les coups puisqu'elles ont fait une campagne de diffamation qui ont amené à son suicide. Et c'est en l'honneur de ce monsieur que le conseil municipal de l'époque a décidé de donner le nom de Salengro à l'école publique de la commune. Tu te rappelles quand on était en maternelle, oui. On arrivait ici. Moi, je suis venue en 34. Moi, je suis venue en maternelle dans la première classe, celle-là. Là-bas, voilà. Au bout, la première classe. Alors, moi, je suis venue... Filles et garçons mélangés. Attends, comme j'avais 4 ans et que j'ai 86 ans, ça fait à quelle année? Ah ben, 31, alors. En 31, oui. En 31, j'ai commencé à cette école. Et c'était filles et garçons mélangés? En maternelle? Non, mes filles et mes garçons. Rien que la maternelle. La maternelle, oui. La maternelle, c'était filles et garçons mélangés parce que mon frère était à côté de toi. Ah? Tu te rappelles plus? Putain, il t'aimait pas parce que tu lui prenais toujours ce crayon. Ah bon? Je me souviens plus de ça. Tu as vu, j'étais déjà vicieuse. L'extérieur de l'école. L'extérieur. Ici, il y a grand l'entrée. Oui, c'était à ce moment-là, c'était à l'entrée. Voilà. Il y avait une véranda. Voilà. La droite, on tournait là, c'était l'école maternelle. Au-dessus, c'était la deuxième classe, quand on passait d'une classe. Le CP maintenant, quoi. C'était. Ouais. C'est ce que je dis, c'était. Et alors après, il y avait la cour. Et puis, il fallait traverser la cour pour aller après dans la deuxième classe. Et après, c'était la classe du certificat d'études. Oui. Sur le côté et d'ici jusque là-bas, c'était à Préau. Il y avait à Préau, puis la cour pour nous jouer. Oui, il y avait à Préau. Oui. C'était qu'il fallait faire les vaccins. Le docteur Carbonel était venu pour nous les faire. Et c'était la directrice, Madame Desmarais, qui nous tenait. Mais avec Hélène Sautu, comme on avait peur, on s'est mis au fond de la classe, on tenait le porte-manteau pour pas parler. Mais on a été forcés de passer quand même. Alors, de ce fait-là, on nous a mis, mais moi, quand le docteur Carbonel a voulu me faire mon vaccin, j'ai passé les fesses de la directrice d'école. D'ailleurs, le docteur Carbonel, il a tellement eu du plaisir qu'il est venu le raconter à mon père. C'est pas pour vanter, mais j'adorais l'école. Hein. Si on avait, à la maison, on était 8, et il y avait 3 garçons, puis l'aîné est handicapé. Donc, il était obligé d'aller à l'école. Donc, l'autre, il voulait y aller aussi. Hein. Il y a même des belles situations. Mais les filles, papa disait, les filles, alors mes soeurs, elles étaient au champ. Et moi, non, on essayait de m'apporter un coup, mais enfin pas longtemps, on avait besoin de moi. Mais j'étais bien. Hein, on était 3, il y avait plusieurs cours dans la même classe. Oui, c'est vrai, il y avait deux côtés. Il y avait le petit côté et le grand côté. Les grandes, les moyennes et tout ça. Ouais. Et j'ai passé toujours les moyennes. Je me souviens qu'à 12 ans, on n'avait pas le droit d'aller au certificat avant 14 ans, c'était la guerre. Et je dépassais celles qui avaient 14 ans, j'en avais que 12. Alors, elle me disait toujours, toi, tu auras ton certificat dans un fauteuil. Oh, moi, l'école, oui, j'aimais quand même. J'apprenais mes leçons par cœur, c'était obligé. Parce qu'il y avait cette mademoiselle Rémy, là. Après, il y avait une autre institutrice, je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Tellier, il n'y avait pas Madame Tellier. Madame Tellier aussi, ça, oui. C'était mademoiselle Dubuisson. Madame Tellier, c'était la maman d'Apâtre. Il conduisait des tramways. Alors, elle prenait le tramway, puis elle allait toujours raconter quelque chose sur moi à mon père. Alors, c'est quelque chose qui n'avait pas été. Mon père, quand il rentrait, Odette, viens ici. Et on était voisins. Voisins, en fait. Et lui étant plus âgé que moi, lui, c'était plutôt avec mes frères qui étaient copains. Moi, j'étais plutôt avec son frère, qui était un peu plus vieux que moi, mais beaucoup plus jeune que lui. Il y a combien de différences entre nous deux, toi? Il y a 7 ans. 7 ans, quand même. Hein.
Et Lucien était plus âgé que moi. Ouais. Moi, c'est de 28. Il était à l'école ici aussi. Hein. Ouais, Lucien, ouais. Ben là, si j'ai commencé en venant, il y avait un couloir. Un couloir. Là, il y avait une classe à droite. À droite. Il y en avait une à gauche. La première, elle était à gauche, je crois. Hein. Sur, au-dessus, c'était le directeur d'école. Il y avait deux sections. Deux sections de petits, deux sections de moyens. Ouais. Certificat d'études. Il y avait quatre ou trois écoles de classe. Les jeux entre camarades. Ah. Ici, à l'école, c'était... C'était au saute-mouton. Saute-mouton, ah, ça, oui, c'était, beaucoup. C'était réglementaire. Aux billes. Aux billes, ouais. Enfin, en classe, dans le cours. Puis après, enfin, il y avait beaucoup de choses. On couvrait beaucoup. C'était beaucoup le saute-mouton. Hein. Saute-mouton, oui. Et billes. Le ballon. Et encore, quand c'était pas interdit. C'était interdit, ouais. Parce que les cours n'étaient pas si... n'étaient pas tellement grandes, hein. Non. C'était, c'est pas profond comme, ouais, comme cours ici. Hein. C'était tout en longueur, mais non, pas beaucoup. C'était pas fort large. Hein. Puis on était assez bien. Hein. On était assez nombreux ici. Alors là, on ne me parlait pas d'école. C'était ma maladie. J'étais malade, je ne voulais pas aller à l'école d'ailleurs. Alors, mes sœurs, vous savez, ils m'ont traîné hein, pour m'envoyer à l'école. Ah ouais, ça. Puis alors, pour mal faire, mes frères, ils étaient tous mineurs. Moi, je voulais être mineur. Ouais. Là, j'étais de famille. Et puis mon père et mes frères n'ont pas voulu. Bon, ils m'ont remis à l'école. J'ai pas resté longtemps. Hein. J'étais en deuxième année et j'ai quitté. Hein. Non, non. Moi, l'école, moi, travailler, ça me plaisait, mais pas l'école. J'étais bon élève, mais j'étais crapule aussi. Hein. J'étais pas meilleur qu'un autre. Hein. J'ai eu le certificat d'études, ouais. Je vous dis, je suis parti à Douai une bonne année à l'école pratique. Et puis là, quand c'était en pleine guerre, les bombardements, tout ça. Mon père n'a pas trop assisté quand j'ai dit je plus. Ouais, c'était de bon temps. On s'aimait, on s'amusait bien, on était heureux. On ne le savait pas, mais on était très heureux. Voilà, de retour à l'école. Nous sommes nés en 38, en 1938, en même temps que cette nouvelle école. Alors nous avons vécu toute notre existence avec d'écoliers ensemble. Alors ici, les garçons étaient séparés des filles. Alors moi, c'était de l'autre côté, du côté des filles. On a passé un bon temps, quoi. Nous avons commencé à l'âge de 6 ans, jusqu'à l'âge de 14 ans, jusqu'au certificat d'études. Et c'est là qu'on s'est connus quand on venait à l'école. Déjà, bon, ben, on venait à l'école ensemble, donc on se connaissait, quoi, du fait que nos parents connaissaient. Et après, nous, petit à petit, quand on a vieilli, on s'est connus, on est au certificat d'études ensemble. Et après, bon, ben, chacun a fait de son côté. Moi, je suis allée à l'école à Douai. Lui, toi aussi, hein, tu étais à l'école de Douai. Et c'est après, plus tard, qu'on s'est reconnus. Mais on a toujours vécu. Deux. Les garçons de notre âge, souvent, c'était, on courait dans le chat, on jouait à la pièce, on traçait une ligne, et puis c'était le plus près de la pièce de la ligne qui gagnait. Voilà ma classe, où est-ce que j'étais. Je vais te faire voir ma place. Et dans cette classe, tous les matins, nous faisions la météo. Alors la météo, c'était quoi? On était dans le petit coin là-bas. Alors il y avait un hygromètre, un thermomètre. Il fallait relever s'il pleuvait, la température, et bien voilà. Chaque jour, étant donné qu'on avait fait la météo, le lendemain, on était critiqué si on avait mal fait, quoi. Et ici, dans cette classe, c'était M. Corbizet. Il y avait un guichant. Ils nous faisaient chanter, mais au guichant. C'était quoi? C'était les trois mages. Je l'entends quoi? Je suis venu de bon matin. Il dit chanter, ouais. On venait avec les garçons chanter. Ouais. Ici, nous sommes dans la cour de l'école des filles, mais ça a quand même bien changé. De ce côté-là, c'était des pâtures. L'école maternelle, qui est là sur le côté avant, c'était la première école, la première classe en rentrant sur la gauche. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, surtout au point de vue bâtiment. Sur le côté du bâtiment, existait un jardinet que la directrice nous laissait à disposition pour pouvoir y cultiver des bulbes et autres fleurs.
Et c'est vrai que là, la cour est, elle me paraît beaucoup plus petite, étant donné qu'il n'y avait pas de cantine. C'était simplement un mur et les toilettes. Nous avons pratiquement fait toutes les classes, de la maternelle jusqu'au certificat d'études. La différence près, c'est que la maternelle était mixte. Ben, c'était tout à fait différent. Premièrement, les tables, c'était des tables en bois. Là, en face, on avait une estrade avec le bureau de l'institutrice. Bon, c'était encore du chauffage au charbon aussi. Il y avait le charbon. Oui. Et bon, disons, les classes, elles étaient quand même moins colorées qu'elles ne le sont maintenant. Souvent, il y avait deux cours dans chaque classe. Il y avait deux cours. Le matin, très tôt, lorsque l'on arrivait, c'était une journée sur deux, morale ou instruction civique. Il y avait déjà la couture. La couture, maintenant, ça n'existe plus dans aucune école primaire. Dans des clubs, on brodait, on apprenait à faire l'alphabet au point de croix. Et à chaque fin d'année scolaire, les objets faits par les élèves étaient vendus à une exposition. On apprenait également le code de la route. Nous avions des panneaux suspendus sur le tableau et avec des petites voiturettes aimantées qui faisaient le parcours et avec les panneaux. Et on devait apprendre à positionner les panneaux où il fallait. Je n'ai aucun mauvais souvenir de cette époque-là. Malgré peut-être la rigidité chez les enseignants, mais c'est un bon escient, je trouve. Toujours de bons souvenirs. Et le guide chant de Julienne, moi je l'ai connu également. J'ai joué dessus aussi. Au certificat d'études, il y avait une discipline chant avec une chanson à poser. Je ne me souviens plus très bien, mais je sais que la Marseillaise, c'était obligatoire. L'école actuelle de Leeuward se situe ici, rue d'Erchin. Un groupe scolaire animé par une équipe d'enseignants dynamiques et au service de l'éducation des enfants. Je suis enseignante à Leeuward depuis 1995. À l'époque, c'était une grande école. Nous étions 10 classes. Maintenant, les effectifs ont diminué. Nous ne retrouvons plus que 6 classes dans cette école. En 19 ans, ce qui a changé aussi, ce sont les programmes. Maintenant, nous devons enseigner l'anglais dans nos classes, et ce, dès le CP. Nous devons aussi enseigner l'informatique, et nous avons la chance à Leeuward d'avoir une salle bien équipée avec de nombreux ordinateurs. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'axer notre projet d'école sur les nouvelles technologies au service des apprentissages. Ce qui a changé aussi, c'est l'organisation de la semaine. J'ai connu l'école le samedi matin, j'ai connu la semaine de 4 jours, et bien maintenant nous travaillons le mercredi matin. Ce qui permet de raccourcir la journée de classe d'une demi-heure, ce qui n'est pas mal quand on voit le degré d'énervement des enfants en fin d'après-midi. Il y a aussi dans la semaine une heure de prévue pour les élèves en difficulté afin de travailler en petits groupes tout ce qui n'a pas été bien compris dans la semaine. L'histoire de vie de Leeuward volume 1 s'achève ici devant l'ancienne brasserie Simon où l'on fabriquait entre autres la goûteuse Warder. Toutefois, l'histoire, ou plutôt les histoires de Leeuward, vont continuer à vivre. Et c'est pas fini. À propos de Warder, je rappelle, veut dire garde. Donc ici, on fabriquait la fameuse bière de garde. Et ceci est une autre histoire. Bienvenue à Leeuward, commune du Douaisis située dans le triangle Douai-Cambrai-Valenciennes. Leeuward, une commune de 2700 habitants environ. Leeuward, une ville connue pour son passé minier, est reconnue grâce à ce centre merde. Désolé. Merde, il faut pas le mettre. Hein. C'est pour le bêtisier. Lorsqu'on arrive de Roucourt, on passe forcément par la place des Vésignons. Ah, y a trop de vent. Vive le vent, vive le vent, vive le vent de Leeuward. Non, pas vive le vent. Donc le parc du château... Pourquoi donc ? J'ai pas dit donc, j'ai dit le. Mais non. Alors le parc... Non, pas d'alors. Oh bah non, tu... Pas d'alors, pas de donc. Pas d'alors, pas de donc. Et d'ailleurs, les troupes hein, du duc de Hesse gardaient l'ensemble du parc. Et voilà. Et voilà. Et son père vend le domaine en 1922 à Monsieur de Risbourg. Monsieur de Risbourg et madame. Et madame. Bon, je vais le madame dire. Madame une coiffeuse, deux esthéticiennes.
quatre médecins, un ophtalmologue. Non, non, non. Un œilliste. Ouais. Un ophtalmologue. Je vous avoue que si je devais partir aujourd'hui de la ville de Leeuwarden, toutes les larmes de mon corps. Bon. Chacun son tour. Bêtisier. Bon. Allez, on la refait. On la refait bien parce que. Hein, ouais, parce que là, je suis en repos. L'histoire de vie de Leeuwarden volume 1 s'achève ici devant l'ancienne brasserie Simon où l'on fabriquait entre autres la goûteuse Warder. Toutefois, l'histoire ou plutôt les histoires de Leeuwarden vont continuer à vivre. Et c'est pas fini puisque nous parlons de Warder. À ce propos, Warder veut dire garde, donc ici on fabriquait la bière de la bière de garde. C'est bientôt fini. Et c'est pas fini. Non, en fait, on en a pour deux, trois heures. Et la bière de garde, et ceci est une autre histoire. Et on s'en va. Voilà. D'accord ? Très bien. Bon, allez. Ceci est une autre histoire.